Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je continue le challenge 30 jours pour créer son entreprise. Donc chaque jour, je vais vous donner trois idées d'entreprise à créer dans une thématique particulière. Si vous découvrez ma chaîne, je m'appelle Stéphanie. J'ai créé ma première entreprise dans les services en 2013. En partant de rien, j'ai créé mon propre site et j'aimerais vous montrer que vous aussi, vous pouvez créer votre business pour atteindre votre indépendance financière. Quelle que soit votre situation, si c'est ce que vous souhaitez, bien sûr. Alors, aujourd'hui, on va parler du thème du sport. Donc, j'ai eu trois idées que je vais vous proposer. Donc, la première idée pour vous lancer, créer une entreprise dans le domaine du sport, ça va paraître certainement évident, mais je tenais à vous le rappeler, c'est tout simplement de vous lancer en tant que coach. Donc, si vous aimez le sport, vous êtes passionné. Donc, pour devenir coach, certainement, vous devez suivre une formation. Mais vous pouvez tout à fait vous lancer à votre compte si le sport vous passionne et devenir coach. Vous avez des coachs, bien sûr, dans pas mal de domaines. Aujourd'hui, vous avez le yoga qui est vraiment très à la mode. Et le but, ça serait vraiment de vous faire connaître pour ensuite développer votre entreprise. Vous avez pas mal de moyens comme ça. Vous pouvez bien sûr faire un petit site internet pour avoir une vitrine à présenter. Vous pouvez faire du référencement sur internet. Vous pouvez faire des publicités Google. Vous pouvez également démarcher les entreprises, les hôtels. Vous pouvez faire une chaîne YouTube où vous allez poster vos vidéos et que vous allez pouvoir partager sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment pas mal de choses qui existent et vous avez des personnes qui ont vraiment une belle clientèle en tant que coach en utilisant les outils à disposition pour se faire connaître. Deuxième idée que j'aimerais vous proposer si vous souhaitez vous lancer dans le domaine du sport, c'est tout simplement de proposer des programmes pour les personnes, des programmes en ligne qu'ils vont pouvoir télécharger pour faire leur propre session de sport à la maison. Alors, vous pouvez choisir un positionnement original, par exemple, chaque jour poster une vidéo 20 minutes pour avoir une tablette de chocolat, 20 minutes pour travailler les fessiers, 20 minutes pour avoir l'endurance et vous faire connaître également en utilisant Internet. Donc, le but, ça serait de créer un site Internet ou de créer un blog qui va vous permettre de vous ramener sur votre site une audience. Et ensuite, vous allez pouvoir les convertir automatiquement grâce à une série d'emails et grâce à une série de vidéos que vous allez proposer et les personnes vont pouvoir acheter vos programmes. Donc, bien sûr, avant ça, il faut vous faire connaître. Moi, je conseille de créer pour ce type de processus, de créer une chaîne YouTube. Ça va vous permettre d'atteindre pas mal de visibilité. Et bien sûr, vous devrez avoir un petit site internet pour pouvoir récupérer l'audience, en fait, transformer vos visiteurs en clients. Donc, ça peut vous paraître compliqué comme ça, mais je vous assure, c'est très simple. Moi, c'est ce que j'ai fait pour créer déjà mon entreprise de service. Et ensuite, j'ai rajouté un blog, j'ai rajouté une chaîne YouTube et j'ai proposé des programmes justement sous forme de vidéos pour mes clients. Pour ceux qui souhaitaient trouver leur stage à l'étranger ou leur organiser leur séjour au pair avec des conseils de professionnels, mais par leurs propres moyens. Donc là, les personnes voient la vidéo, elles arrivent sur une page de vente, elles m'envoient leur email, elles récupèrent des vidéos, elles cliquent, elles achètent toutes seules le programme. Donc restez jusqu'au bout de la vidéo. À la fin, je vous mettrai un lien si vous voulez faire la même chose et vous verrez que c'est vraiment très simple. Troisième idée que je vais vous proposer dans le domaine du sport, elle va tourner autour du foot. Donc c'est une idée qui m'a été suggérée et que j'ai entendue parmi un petit peu tous les passionnés de foot que je connais qui sont dans mon entourage. Donc il y a des matchs de foot qui sont assez prisés, pour lesquels on a du mal à avoir des places et vous avez également des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui ont envie d'offrir un cadeau original à leurs clients VIP, à leurs partenaires pour maintenir un certain lien qui est bon pour le business. Donc ce que vous pouvez faire, c'est négocier avec certains stades, avec certaines fédérations pour pouvoir avoir des places pour ces matchs. Et vous pouvez proposer tout un processus où vous allez réserver par exemple 5 places pour tel match à l'avance, de préférence en VIP, en loge, et vous allez proposer un service aux entreprises, on va dire comme un service d'organisation de séjour tourné autour du match de foot. C'est-à-dire que vous allez pouvoir réserver par exemple 5 matchs pour le chef d'entreprise et 4 de ses clients privilégiés. Et en même temps, vous assurez de la réservation de l'hôtel, par exemple, à proximité du stade, de vous assurer du transfert par taxi, enfin de faire en sorte que tout soit bien organisé
pour que l'entreprise puisse inviter ses clients, profiter d'un bon moment dans les meilleures conditions possibles. Voilà, donc c'était mes trois idées pour créer votre entreprise dans le domaine du sport. Bien sûr, il y en a énormément d'autres. Si vous-même vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager, à les mettre en bas dans les commentaires. Et si vous aussi, vous souhaitez, comme moi, vous créer une entreprise pour atteindre votre liberté, votre indépendance financière, cliquez également en bas de la vidéo. Je vais vous mettre un lien où vous allez pouvoir demander à recevoir gratuitement 1 heure de formation vidéo pour lancer votre blog, votre site que vous pouvez utiliser soit pour faire connaître vos services ou vos produits, ou alors pour créer un business automatisable et vendre vos formations en ligne ou vos produits. Voilà, j'espère que vous êtes satisfait de cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci.